Seigneur, pour grâce ou pour privilège ou envers nous-mêmes, merci pour ça, on fait pour nous et ça, qu'on continue à faire pour nous. Nous remercions Seigneur parce que nous là matin pour nous parler de lui-même, pour nous présenter parole de Dieu. Matin, nous allons parler de jeûne, faire jeûne. Il y a un travail que nous-mêmes personnellement nous supposons faire, que Jésus lui-même, dans Matthieu 6, il parlait. Jésus parlait dans Matthieu 6, il dit qu'il y a trois bagailles, il déjà assoumé, mais il déjà pensé que nous-mêmes, que nous supposons faire. Dans Matthieu 6, il parlait de nous supposer pour nous faire zèle avec Silaïo qui est dans les besoins, nous supposer pour nous prier et puis nous supposer pour nous faire jeûne. Faire zèle avec Silaïo qui est dans les besoins, prier et puis faire jeûne. Dans Matthieu 6, verset 1, verset 1, là, il dit pour ça que fais attention. L'un a fait des voies, nous, pour bon Dieu, pour ne pas faire les gens, pour faire mon ouais. L'un nous fait les consacres, papa nous qui dans le ciel là, il n'y a pas nous aucune récompense. L'un a parlé de faire des voies là aussi, il a parlé de les faire ou les bailler avec nous qui dans les besoins. Parfois, l'un a bailler avec nous, monde qui dans les besoins, et le plus souvent, exposer ça l'affaire, juste pour montrer, juste pour faire ouais. Dans Matthieu 6, verset 1, le Seigneur a fait ouais, que le panaz a fait montrer, mon dit, panaz a fait fait. Ouais. Au contraire, ça va bailler dans la main droite, la main gauche, là, pas supposé connaître. Maintenant, nous avons un petit problème, parce que avec l'arrivée de social media, avec l'arrivée de Facebook et l'arrivée de YouTube, tout ça qui a fait qu'on y a là, l'exposé. Ça nous pose peut-être nos questions, nous avons lu Matthieu 6, verset 1, quand il dit, fais attention. Fais attention, les affaires de voir nous, pour bon Dieu, pour ne pas faire les gens, pour faire les gens, ouais. Les nous faire comme ça, papa, nous, qui dans le ciel là, pas de nous aucune récompense. C'est ça qui fait tout, le verset de dit, les gens qui ont la nécessité, qui choisent, on pas besoin de faire tout le monde, ouais, ça. Tant que l'hypocrite, ils font dans la synagogue et dans la rue. Ils ont fait ça pour mon café louange pour yo. Ça m'a dit nous là, c'est ça, c'est vrai. Comme ça, ils ont tout joué une récompense. Mais là, on a aidé mon qui n'a nécessité. Faire yo gens pour mes, même pour nos amis ou. Pas comme ça. Là, on a aidé mon qui n'a nécessité. Faire aux gens, même pour nos amis ou pas comme ça. Comme ça, cadeau fait à arrêter un secret, et papa ou même qui voit ça, et qui en l'air, ne voit ça dans le secret, il va récompenser. Mais qui condition, qui attitude que nous supposons gagner, nous avons fait zèle, nous avons aidé les gens. Mais dans qui position, que nous supposons mettre, nous avons fait zèle, nous avons aidé les gens. Paul, bon Dieu dit comme ça que, sans bien dans mes droites là, mes gauches là, il n'est pas obligé de connaître, il n'est pas besoin de connaître. En pile précaution, mes amis, avec don, les nabay, pour en pile précaution. Sauf une faire zèle, sauf une baye, sauf une baye au monde en ministère qui a béni Timoun, sauf une baye au monde qui est en ministère qui a fait un travail quelconque, qu'est-ce que ça entre vous-même ensemble avec lui? C'est pour pas qu'on besoin de poster, ni dans les social media, ni pour mon web, c'est pour pas qu'on besoin de mettre publiquement, mais mon ça a lui-même qui est ministère. Si mon ami même il voulait présenter pour t'apparaître, pour t'affaire, pour un rapport, bah ou même qui te fait don pour le montrer où ça te fait. En d'autres termes, il n'est pas bon les que vous faites des bagages et puis pour exposer. Ce matin, on a parlé de jeunes. C'est nous voulons faire comprendre qui ça jeune, pour qui ça que nous faisons jeune, dans quelles circonstances que nous faisons jeune dans la Bible. Jeune, dans qui ça jeune. Jeune, c'est leur soumettre tout à bon Dieu. C'est là où. Ou dit que comme ça, ou pour le craser comme ça, et pour l'esprit en lui-même capable de venir fort. First thing is submitting yourself to God. First thing is when you deny yourself so your spirit can go. It is also a way to feed your spirit. C'est une façon pour capable esprit à capable de venir fort. Parce que ça que vous vivez, this is what happens when you're fasting. When you're fasting, you say, stomach, today, I'm not going to feed you. But basically what you do, you go in prayer. Spend your time. You pray, spend your time, you read your Bible. So while this here, this flesh, there's nothing happened to it. There's no tree and going into it. But your spirit
While you're reading the Bible, what right there, what you're doing, spirituellement, what nourri esprit ou spirituellement. Benefits of fasting. Fasting normalement ça le vous, you increase your intimacy with God. Increase your intimacy with God. Fasting increase your hunger for God. And fasting also make you obey God.